L'histoire de la Monie remonte à 1749, qui est l'arrivée à la Martinique du comte de Monie. Aujourd'hui, la famille Bourdillon est toujours actionnaire, comme les héritiers de la famille Belloni. À noter que le groupe Cartier français de La Réunion est notre actionnaire majoritaire. La majorité des cannes qui arrivent ici sont des cannes qui sont donc coupées à la main. Et ce qui est à noter dans une Martinique où aujourd'hui la canne est essentiellement coupée à la machine. Bien évidemment, la canne est partagée entre toutes les distilleries, mais ce qui est à noter, c'est que la Monie a réussi à fédérer un grand nombre de petits planteurs dans ses approvisionnements. La moitié des apports de canne de la distillerie sont réalisés par des petits planteurs. Bien évidemment, la distillerie elle-même a ses propres propriétés, puisqu'on produit ici, on broie chaque année environ 30 000 tonnes de canne pour produire 3 millions de litres de rhum. Uniquement le pur jus de canne qui sera fermenté pour produire ce rhum, c'est donc du rhum bien évidemment agricole. Les cannes qui arrivent ici sont gorgées de sucre. Ça donne un rhum blanc qui est très typé, bien évidemment, parce que ceci impacte énormément la fermentation et les arômes secondaires qui y sont développés. Et partant du principe qu'on ne peut pas fabriquer un bon rhum vieux sans un très bon rhum blanc, la Monie avait quelques prédispositions dans le domaine. La distillation ne va pas apporter des arômes au produit. Par contre, elle va réarranger les arômes. Et ce qui fait que les distillations sont tout à fait capables de permettre une grande différenciation d'une colonne à une autre. Il y a encore une de nos anciennes colonnes créoles qui est ici, entièrement en cuivre, qui assure le goût typique de la Monie. Donc en fonction des appels de notre maître de chez et de ses réceptions de rhum journalier, il nous demande de tourner plus sur cette colonne ou une autre, puisqu'on a en moyenne 3 colonnes qui tournent sur les 5. Et le cuivre, c'est un catalyseur, c'est-à-dire c'est un matériau qui va permettre d'activer certaines réactions chimiques. C'est pour ça que, vous savez, les grands-mères font la confiture toujours dans les marmites en cuivre. Toutes les colonnes AOC ont une portion en cuivre, mais il n'en reste plus que 2 en Martinique qui sont faites complètement en cuivre. Mais, le corps du Christ. Généralement, à la sortie d'une colonne à distiller, l'alcool est complètement neutre. Il n'en a pas encore des arômes bien développés. Il va acquérir sa rondeur et sa caractéristique avec la maturation. Tandis que le rhum, c'est déjà, il a déjà tout son potentiel déjà à la sortie de la colonne. Alors la Monie, bien évidemment, aujourd'hui s'est axée depuis plusieurs années déjà dans un programme de développement de ces rhums vieux qui porte ses fruits, si j'en crois les médailles d'or qu'on a obtenues au concours mondial de Bruxelles. Le saphir est magnifique. Je vous avoue que j'ai joué aussi sous les degrés. Le premier à 40.